Un autre trou, on va dire, iconique de Deauville. Hein. Ce trou numéro 13, avec, là on le voit pas tout de suite, mais on va marcher, on va voir que normalement sur le deuxième coup, on a un green en hauteur et l'hôtel qui est vu derrière. Qui est juste derrière. Alors, un bon drive, on arrive où, Marine? On va aller à la zone idéale. Ouais, on avance. Ce que je fais sur ce trou, c'est que je me pose pas trop de questions. C'est comme au 11, je prends mon drive, je fais le petit coup contrôlé qui touche le fairway et puis... Mise en jeu compliquée aussi ici ou pas? Ou pas vraiment? J'aime pas dire le mot compliqué, mais c'est un coup où il faut être sur le fairway. Donc oui. On l'appelle le coup faut être sur le fairway. Donc c'est bien de s'ouvrir à gauche quand même, parce que la droite, c'est absolument no way. parce que déjà, le green s'ouvre vachement. En fait, le green va sur la droite, comme on peut le voir ici. Alors montre sur le carnet. Donc là, en fait, on... Ça aide le petit dessin, enfin la photo qu'on voit en contrebas du carnet, ouais, est-ce que ça aide? Ouais, quand on connaît pas le parcours, oui. Parce que ça nous aide à situer... Les axes, ouais. Les axes où on doit s'aligner. Et là, par exemple, dans 3 mois, je reviens, c'est hyper simple. Je me dis, ah ouais, c'était cet arbre-là. Et puis, ou si je suis la première fois, ok, c'est cet arbre-là. Donc c'est bien. Donc là, la zone que tu as surlignée, c'est la zone d'atterrissage, c'est la zone où on se trouve là. C'est la zone où il faut être. Mais on est un peu plus loin encore parce que c'est vraiment à l'hauteur de cet arbre. Parce que c'est pour ça que je prends mon drive. Parce que je préfère aller loin, parce que si, dans le cas où je me loupe, je suis à droite, mmh. Et je suis là-bas, quoi. Et à droite, c'est mort, là. Enfin, oui, mais je suis à droite, mais au moins, j'avance vers le trou, quoi. Et encore, là, il n'y a pas trop les roughs, parce qu'encore, j'ai les arbres, donc encore, j'ai peut-être une chance de prendre un kick. Enfin, bon, bref, je ne suis pas sûr ça, mais j'avance au moins. Et puis, si mon coup loupé, c'est pas à droite, c'est à gauche. Donc, si au pire, je me loupe, j'ai une fenêtre. Donc, c'est surtout ça où je me dis, je construis ma stratégie, c'est où va aller mon coup loupé si, dans le cas, je loupe. Donc là, on est vraiment, si je me loupe, je vais à gauche et j'ai un coup, peut-être, pour le green. Bon, peut-être que j'aurai un arbre, un tronc, mais on fera une balle basse. Mais du coup, la balle basse, le fait d'avoir pris le drive, c'est que je serai pas trop loin du green. Dans le cas où je prends mon bois 3, où en effet je serai là, où là, bah, si je suis à droite, je suis complètement refermée, j'ai aucune chance. Alors que, du coup, le troisième coup sera encore long. Alors que si je me mets à gauche, bah ouais, je suis à gauche, mais j'ai un long coup, quoi. Alors que le drive, si je le loupe, autant le louper 80-50 mètres plus loin et avoir un petit coup, quoi. Mmh. Donc c'est comme ça que je construis ce trou et... Et au final, j'avais bien réussi hein, la stratégie sur l'Open de France l'année dernière. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait. Tu peux le taper le coup ou pas là? Ou ouais. Tu préfères pas taper un coup de fer? Si, je peux le taper. Alors là, normalement, idéalement, t'es où? Du coup, le drive idéal. Je suis là-bas. J'ai un coup de 110, 120. Là, c'est la zone idéale. On voit, en plus, pour les images, c'est sympa avec l'hôtel au fond. C'est là, du coup, le drapeau, il a l'air au fond. 134. Mais le vent, il est... il est légèrement avec, mais bon, c'est pas beaucoup. Il y a plus 8 de dénivelé. Ça, tu le sais sur le carnet? Ouais, c'est marqué sur le carnet. Tout est écrit. C'est toi qui l'écris? Non, c'est écrit sur le carnet. C'est fourni. Et là, je l'ai entouré. Donc et je l'ai surligné, donc c'était vraiment pour... C'est plus facile. Même s'il y a beaucoup de choses sur le carnet, il y a beaucoup de choses à regarder, on a quand même un temps à respecter quand on joue. Donc je surligne toutes les infos qui sont importantes, dont le plus 8 là. Et le green là, qu'est-ce qu'il y a à noter sur le green? Le green, il n'y a pas grand-chose. Il est pas si plat, mais quand on est au milieu du green, on est bien... puis voilà quoi, puis si on est près du drapeau, on essaie de la mettre, et sinon deux potes et voilà quoi. Et on passe au prochain. Donc là, on a 135, vont un peu avec, on va dire 130, il y a 134, 130, allez, on joue pour 130, plus la montée, ça avait 138, donc on va être sur un fer 8. Et puis
c'est bien, il y a une petite, ça c'est bien, il y a une petite pente qui pousse vers la droite, donc je vais m'appuyer sur la partie, sur la partie gauche du green. Comme ça, si je prends la pente générale du green, en général, ça va aller vers la droite, donc ça va m'aider. C'est un bon coup. Ouais, elle est bien ça. Donc là, là franchement, je vais pas être si mal. Hein. J'aurais peut-être un peu de pour birdie. Alors, tu parlais de ton carnet. On va monter vers le. Parlais de ton carnet. Tu le regardes. Est-ce que tu le regardes avant les tournois? Tout le temps. Tout le temps. Mais avant, même avant. Ah, mais quelques semaines avant. J'ai pas envie de dire quelques semaines parce que je vais sûrement être sur un autre tournoi. Mais surtout qu'il faut que je précise, j'ai toujours des études. Donc ça, encore une fois, c'est compliqué à gérer quand on a cette double face étudiante et professionnelle. Mais c'est une étiquette qui va bientôt partir. Donc vraiment, dans le futur, j'espère pouvoir avoir utiliser mon carnet plus tôt, regarder sur Internet à quoi ressemble le parcours. Surtout qu'on a une bonne app qui s'appelle UpGame pour les stats, donc il y a tout. Donc ça, c'est vraiment un truc que je recherche dans le futur quand j'aurai fini avec l'école. De préparer 3 jours avant, de regarder à quoi ressemble le parcours si je ne connais pas le parcours. Bon, là, en l'occurrence, je le connais, donc ça va. Mais c'est un truc que je vais ajouter dans ma préparation dès que j'ai fini l'école. Dans ta saison, l'Open de France, tu as hâte d'y arriver. C'est, c'est une semaine qui est kiffante quand on est joueur de golf. C'est trop bien parce que déjà, on retrouve... moi qui est aux US, je me souviens, l'année dernière, j'ai revu plein d'amis. Donc... c'est l'occasion aussi de parler français, parce que... ça te manque, ça? Oui et non. J'aime beaucoup aller à l'étranger, parler l'anglais. Mais j'aime aussi ce côté français, puisque je suis française. J'aime bien retrouver ma famille. Donc ça, c'est mes amis, c'est un environnement qui me met à l'aise. Donc pour parler le français, oui, comme ça. Après, en tournoi... j'ai appris à parler anglais aux US et c'est un truc où je suis assez fière parce que je le parlais pas. Donc là, maintenant que je le parle, j'aime bien discuter avec mes amis et le parler. Drapeau le plus compliqué, la position de drapeau la plus compliquée sur ce trou, elle est où? Quand tu regardes, on va montrer peut-être sur le carnet. Bah là, ça c'était les dernières fois où il l'avait mis. Attends, donc, du coup, on a le green comme ça, la vue d'ici. Ouais. Donc, en vrai, quand j'y pense, ils ont été assez sympas parce qu'ils l'ont pas trop mis ici. À l'avant du green, ouais. Ça peut être. Parce que, là, en fait, c'est coincé en fait devant. Du coup, si on n'a pas une bonne portée de balle, on sera direct coincé dans le trou là-bas. Alors que on est au fond là, techniquement, si on fait même un coup trop long sur un drapeau comme ça, on peut avoir une approche et quand même sauver le par. Mais non, ils ont été sympas, mais une position assez compliquée dans le fond là, à gauche, du coup à droite en bas. Green, mais ouais, mais ils l'ont pas fait l'année dernière, donc ça, ils étaient sympas. Après, je pense que c'est aussi un trou assez compliqué déjà et parce que ça reste dans le coin assez compliqué du parcours. Ouais. Donc, je pense peut-être qu'il n'y avait pas l'occasion de raison précise de mettre un drapeau compliqué. Ça veut dire qu'on aurait 2 coups compliqués. Après, pourquoi pas, hein, Le trou est suffisamment dur comme ça, en fait.